Et bonjour à tous. Vraiment, c'est grand bien. Nous retrouvons. On venait de s'écraser après que le téléphérique soit tombé entre les deux ravins, entre les deux parties du ravin. Le téléphérique avait été attaqué, on ne sait pas par quoi, et on se retrouve au milieu de la neige. Et on trouve un moyen de sortir. On essaye toujours d'atteindre la cathédrale. Je sens que ça va pas se passer comme prévu. Mais bon, c'est un RPG, c'est normal. Sur ce, on s'y met parce que je voudrais manger avant 20h. C'était pas par là. Pas quelque chose d'autre. Une solution simple pour désherber le week-end. Un coup d'épée. Et je me rends compte que vous n'avez pas le son du jeu. Donc forcément, c'est beaucoup moins agréable pour vous que pour moi. Ça doit être mieux. Au moins, vous l'entendez maintenant. Pourquoi j'ai fait ça? Peut-être une volonté de sortir plus vite de zone. My impact bomb. My package is
Un diamant. Boum, 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 boum. Eh merde. Bam 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 b
Bam 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 bam. I'll tear you to pieces! J'ai peut-être abusé sur la magie sur ce là. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression. These guys were no real challenge. These guys were no real challenge.
Tout est dans la destruction. On ouvre les portes en cassant des trucs. Here goes flying Tensei Ken. You better practice if you want to beat me. Thank you.
I'll tear you to pieces. Spiral wind, tear him up. Bam, 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 bam. Bon bah s'il y avait un arbre avant, je pense qu'il est mort. Destruction! Allons tuer les beaux petits arbres. J'ai tout cassé. Bam 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 bam. Stuff of nightmare. Boom 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 boom. Yeah.
Oh, that was a breeze. Il y avait des singes sur la pierre. How about this? These guys were no real challenge. Ah, peut-être que je heal des gars de temps en temps quand même. Je vais finir par perdre la vie. Comme j'ai pas souvenir depuis un moment. Blast! Oh, ça, ça sent bon, ça. Ça, ça sent l'attaque chutée. Ice Fang Stone, Arctic Cap et Ice Peak. Ice Peak, ça pourrait être un truc pour l'autre, le gamin. C'est bien ce que je me disais. Putain, il est moins 10 quand même. Ah ouais, forcément. Je suis arrivé là, j'ai fait le tour en bas. Et puis j'ai bien fait tout le tour. Il semblerait que oui. Regardez là-bas en haut.
Y'a rien. Ah bon, bon, y'a rien non plus. On peut y aller. Allez, c'est parti pour le jardin des rêves. Donc il n'y a qu'une entrée et donc qu'une sortie. Est-ce que ça signifie qu'en rentrant, si je sortais tout de suite, j'atterrissais ailleurs ? J'ai fait un monstre. Yes. Putain, je serais un yeti de si gros, je me ferais taper par une petite fille. Ça me mettrait les nerfs. Plein de magie. Il est là.
Mais non. Si tu dépasses pas, c'est pas grand chose. Ah putain, taper le monstre, du gars. C'est pas la petite se faire taper, quoi. You better practice if you wanna beat me. I'll tear you to pieces. Qu'est-ce que tu fais, chaton? Gotta work even harder. I'm gonna work even harder. Ou even harder. Harder, je pense. La connaissance. Je vais travailler encore plus dur. Pour le bien du groupe. Oh, il y a une barrière, même. Tum 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 tum. Putain, elle me manque cette chanson, quoi. Un village. Il y a une certaine tristesse dans ce village. Je me demande ce qui en est la source. Oh. Oh, la sœur est arrivée. Oh, je suis si content. Maintenant, le village est sauvé. Chef, chef, la sœur est arrivée. Elle est ici. Et le mec, il est parti en courant quand même. Mais ils sont en train de parler de moi là? Sérieux quoi? Non, non, il y a d'autres sœurs. Dans le toit, regarde, il y en a plein derrière. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, ça doit être le chef. Ouais, bien sûr. Vous êtes finalement arrivé. Notre village, s'il vous plaît. Je vous en supplie, sauvez-nous. Ah, vous m'avez perdu, chef. Je ne comprends rien.
Je ne pense pas que le moins le que l'un d'entre nous ait réservé sa semaine ici. Ou son week-end, donc plutôt week-end. Faut que je finisse de lire avant de commencer à traduire en fait. Hein? Attendez. Vous n'êtes pas venu pour sauver le village? Genre tous les voyageurs ne viennent pas sauver le village quoi. Non mais sérieux, on est dans un RPG les gars. Vous êtes venus, vous sauvez le village maintenant. Nous sommes en chemin vers la cathédrale de Grana. Nous ne faisons que passer ici. Mais... Alors vous n'êtes pas venu ici pour sauver le village? J'étais certain que vous seriez ici maintenant. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Continuons à pleurer pour que quelqu'un d'autre nous sauve. Sérieux quoi. Allez. Bonne question. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce genre de choses ne devrait pas être parlé ici. S'il vous plaît, venez dans ma maison. Sûrement, traduit, venez chez moi plutôt. Il y a mon chat qui fait le con. Je sens que je vais entendre boum 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 dans 5 secondes. Vous voyez, des choses étranges se passent ici, dans ce village. Les villageois semblent soudainement tomber endormis. Donc falling asleep, c'est s'endormir et pas tomber endormi. Bien sûr, nickel. Continue à traduire n'importe où. Au début, nous pensions que c'était juste de la fatigue. Mais ils continuent à dormir. Jour après jour. At a time. À une heure? Ah mais quelle heure? Et vous ne pensez pas qu'ils sont seulement fatigués, malades? J'aurais aimé que ce soit cela, mais... Ils ne le sont pas. Blunt. Pour dire la vérité, je crois que c'est une sorte de malédiction. Une malédiction? Qu'est-ce qui vous pousse à croire à cela? Les rêves. Depuis qu'il tombe endormi, tous les villageois continuent à avoir le même rêve. Une présence qui les regarde, et ses yeux, grands et terribles, terrifiants. Malédiction, bien sûr. Nous n'avons qu'une preuve, mais... Nous ne pouvions pas continuer à supporter cela. Nous avons appelé la cathédrale à l'aide. Ah, c'est pour ça que vous pensiez que Sœur Elena était là pour vous sauver. Oui, c'est exactement cela. Bah, c'est dommage, mais comme on l'a dit, on fait que passer par ici. Donc démerdez-vous les gars. Mais... Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Non mais genre, on est dans un RPG, de toute façon on va vous sauver les gars, cherchez pas hein. C'est pas genre, ouais finalement on va partir de l'autre côté, ça sert à rien de les sauver. Hein. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pourriez seulement rester ici une journée? La prêtresse de la cathédrale devrait être ici sous peu. Je ne vous demande pas de prendre sa place. Mais si votre sœur reste ici,
La malédiction pourrait être retardée. Un nouvel habitant est tombé endormi aujourd'hui. Nous sommes tous mal à l'aise. Ryudo, j'ai envie de les aider. Bon, comme il fait noir dehors. Ok. On va faire comme vous l'avez dit. C'est pas beaucoup, mais si cela peut rendre un peu de joie au village, on vient, on reste avec vous. Cool. Il y a une malédiction, les gars. Restons là. Attendons que ça nous touche. Pourquoi devons-nous souffrir ainsi? Cette réponse, cette question, nous ne pouvons pas vous en donner la réponse. Vous devez chercher la réponse dans ce qui vous entoure et en vous-même. Comme c'est beau. Toujours aussi kitsch les dialogues, j'aime bien dans les RPG. Puis Ryudo, il est trop gentil là, en théorie, il devrait dire non quoi. Il devrait l'envoyer chier, il devrait dire non, on se casse, il y a une malédiction quoi, je suis là pour te protéger, je vais pas te laisser foutre la vie en l'air juste pour le plaisir quoi. Mais non, 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 il continue. Est-il possible que vous soyez la sœur? Oh, nous vous avons attendu. Mon fils Nicolas, il ne se réveille pas. S'il vous plaît, faites quelque chose pour le sauver. Malheureusement, nous sommes de simples voyageurs. Nous ne sommes pas ceux que vous attendez. Désolé, j'ai fait une terrible erreur. Non, mais normalement, t'es censé te fâcher, c'est quand même une sœur, même si c'est pas celle que t'attends, quoi. Fâche-toi, fais quelque chose, frappe-la! Vous avez pris contact avec la cathédrale, je suis certain que quelqu'un arrivera rapidement. S'il te vous plaît, attendez un tout petit peu plus longtemps. Oui, je pense que vous avez raison. Mais. Vous avez dit que votre fils était tombé malade? Ma sœur, s'il vous plaît, peut-être qu'un regard sur lui, vous pourriez peut-être apprendre quelque chose. Est-ce que cela vous dérange de venir, s'il vous plaît? Est-ce que c'est la malédiction dont nous sommes en train de parler? Cela semble l'être. Ou pas. Il a peut-être tout à fait autre chose. Il dort. C'est Nicolas. Il semble dormir en paix, paisiblement. Mais il ne se réveille pas. C'est tellement amusant ici. Il ne semble pas endormi. Semble pas malade. Peut-être est-il juste en train de s'amuser? Oui! Est-ce que cela n'est pas juste comme Gadan? Tu penses que Valmar dévore leurs âmes? Je ne sens aucune odeur du mal dans cette lieu, dans cet endroit.
Malheureusement, je ne peux pas vous aider le moins du monde. Ce visage innocent, maybe, peut-être est-il en train de jouer. Peut-être ou peut-être pas. Mais peut-être est-il en train de jouer avec la fée dans le gardien, dans le jardin des rêves. Gardien, garden. Garden, c'est jardin. Faut que j'arrête de dire de la merde. Le jardin des rêves? L'endroit par lequel nous sommes passés? Rina, avant d'arriver ici, nous sommes passés par un jardin rempli de fées. Vous ne pouvez pas être sérieux. C'est un conte que nous racontons aux enfants. Un endroit rempli de chansons et de fées. Cela ne signifie rien. C'est un conte. Non, c'était vraiment des fleurs partout. Et des féeries qui flottaient partout. Je ne pourrais pas en rêver, croyez-moi. Et il y avait une petite fille, une étrange petite fille. Elle pouvait tout voir. Et elle avait une cicatrice au-dessus de son œil. Hein, non. Au-dessus de son œil droit. Et c'est vrai qu'elle était à droite, la cicatrice. C'est Arya. Hein? Sandra's daughter. She's so hairy, so. Donc cette malédiction, c'est le travail de Sandra, after all, après tout. S'il vous plaît, ne sautez pas si rapidement sur les conclusions. Est-ce que Sandra est de ce village? Elle vit à l'arrière du village. Wretch, ça doit être putain. Grognasse, ouais. Comment cette connasse peut faire ça à mon pauvre petit Nicolas? Tintin, comme on a tout foutu la merde, quoi. Ryudo. Si cette fille était en effet Aira, je voudrais lui parler une fois encore. J'arrête pas de penser à ce qu'elle vient de dire, à ce qu'elle m'a dit. Ah, que tu voulais la manger? Ne me mange pas. C'est vrai que tu as pris quelques kilos. Il faut que tu voyes ça de son point de vue. Oh, stop. C'est juste une petite fille étrange. Et je me demande, est-ce que ce jardin était réel? Pourquoi j'ai envie de mettre gardien partout? Aussi réel que le rêve d'un homme sage? Putain, mais Marek, il fait de la philosophie, quoi. Ni de la fantaisie, non, ni de la substance. Ni palpable. Une brume au lever du matin, au lever du jour, qui se mélange à l'air vers midi. Si nous trouvons Hera, nous pouvons lui demander. Ok. On va aller voir. Tam 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 tam.
Et la musique reprend. Je pense que le temps qu'on aille chez Aira, elle aura dit à tout le village que c'est de sa faute, ils vont tous vouloir la flinguer. Moi, c'est ce que je ferai en tout. Enfin, moi, je serais allé la flinguer tout seul, mais ça, c'est autre chose. Alors, en se mettant là, dans le contexte que c'est une pauvre femme et que... Hein? Donc, elle vit à l'écart du village. Cette fille, c'est Aira. Ta-la-la-la-la, vous avez trouvé Aira. Donc ce n'était pas notre imagination, elle est réelle. Aira, ma chérie. Oh bonjour, mademoiselle. Aira, chérie, quand tu as dit « ne me mange pas » plutôt, qu'est-ce que tu voulais dire? Hein? Cela signifie seulement ce que j'ai dit. Je vous connais. Vous, vous êtes ok, vous êtes bien, miss. Mais... Excuse mon interruption, là, mais... Il y a quelque chose qui me dérange. Qu'est-ce que c'est que ce jardin? C'est un endroit heureux pour les gens qui sont tristes. C'est pas comme tous les autres endroits où on a mal. J'ai juste envie que tout le monde soit heureux. Aira. Où es-tu? Aira. Aïe, c'est pas bon. Aira. Je t'ai dit de ne pas ressortir. Vous, écartez-vous d'Aira. Qu'est-ce que vous essayez de lui faire? Maman. Tout va bien. Elle n'est pas en train de m'embêter. Du calme, nous sommes seulement des voyageurs et on est en train de parler à la petite Aira. Nous n'y aurions jamais rien fait. Je suis terriblement désolé si mon apparence vous a inquiété. Non, non, ce n'est pas la peine de vous excuser. J'ai toujours peur du pire, mais celle-là... Moi? Wataï, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis seul. Je suis désolé. Venez à l'intérieur. Je ne peux pas vraiment parler là au dehors. Qu'est-ce qu'il y a avec tous ces secrets? Pourquoi voulez-vous éviter de vous faire d'attirer l'attention? Il y en a qui ne veulent pas du bien à Aira. Le fils de l'hôtelière, Nicolas, il est tombé malade. Vous voyez, et c'était pendant que Aira était avec lui.
Ils étaient en train de jouer, et là... Il y a une histoire pour enfants, un conte de fées. Un conte à propos d'un jardin. C'est vrai. Et j'ai promis à Nicolas de l'emmener au jardin. Aira, ne dis plus des choses pareilles. Mais... Dis, je peux voir cette médaille? Mais c'est... Ta maman te l'a donné, c'est ça? Oui, mais... Je suis tellement désolé. De toute façon, les villageois me regardent bizarrement. Et... Et en plus, mes prières à Grana ont enfin eu réponse. Et... Aveuglement, c'est pas ça. C'est... La maladie d'Aira qui touchait ses yeux a été soignée. Sa vue a été restaurée, s'est sauvée, s'est soignée. Sa vue a été soignée par la prière. C'est un miracle. Pour une fois, Elena a raison. C'est un putain de miracle si des prières ont vraiment marché. Y a pas à se demander pourquoi les villageois pensent que tu es une sorcière. Ryodo. Aira, c'est mon trésor. Sa vue était fragile depuis qu'elle était née. Elle était faible. J'ai eu beaucoup de temps dur. J'ai cherché des herbes médicinales. J'ai beaucoup prié pour sa vue. Mais les autres appellent mes mixtures des potions de sorcière. Et mes prières, des invocations. Et juste quand Aira est enfin soignée par mes prières, et que j'ai enfin obtenu un peu de joie, il me blâme, moi, pour la malédiction qui règne sur le village. Je suis désolé. Ne te fais pas d'idée, Elena. Il n'y a rien que nous puissions faire. Maintenant, l'église a sûrement envoyé des gens qui vont venir regarder tout ça. Nous devons les laisser régler tout cela. Nous ne sommes pas des experts. Et il y a encore beaucoup de chemin à courir avant d'atteindre la cathédrale. Tu as raison. Elle va pleurer. Oh. Allez, retournons à l'hôtel. D'accord, Rohan ? Merci. Ta maman était vraiment jolie. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas, Aira? Des gens effrayants sont arrivés, maman.
Des gens vraiment effrayants. Eh, hey, dépêchez-vous! Nous ne devons pas les faire attendre. Hé! Hey! Attendez! Hé! Hey! Qu'est-ce que c'est que cette agitation? J'ai entendu que la prêtresse et son équipe sont enfin sont arrivés depuis la capitale. La cathédrale. Capitale. Hâte de dire de la merde, ça. En fait, c'est mieux quand je parle pas. Hein. Déjà parce que j'ai l'habitude de manger mes mots. Puis j'aime pas parler, en fait. Ce n'est pas possible. Les chevaliers de l'église. How terrible for you. But never fear, the Cathedral Knights are here. We shall dispel the darkness before your eyes. Oh, your words are most reassuring. Please do what you can. This village is full of darkness. Darkness with terrible powers. What has brought this upon us? I have purified much darkness in my work so far. From my experience, this darkness is the doing of Valmar. I am not mistaken. Oh no. Tu vas y passer. Until further notice, this village shall be under the control of us, the Cathedral Knights. All entrances shall be sealed. No one may enter or exit the village. Understood? Anyone violating my order shall be deemed a minion of darkness and purified in the name of Lord Grannis. Come, my knights of Grannis, take up your blades to cut down the darkness. God's light shall shine. I ought to have introduced myself. I am Selene, leader of the Cathedral Knights. I am pleased to meet you. Hey, Elena. You know that crazy zealot over there? Yes. She's the High Priestess Selene, leader of the Cathedral Knights. Now, High Priestess Selene is known to be an excellent inquisitor of heresy. I'm afraid this town might be in for a bit of trouble. Just what are those guys planning to do here? Well, well, are you not a sister of Grannis? I was not told of a sister in this town. Oh, I am Elena, a songstress of Grannis. I'm on my way to Grannis Cathedral to report to His Holiness Zerah. To report to His Holiness Zerah? You must be a very accomplished student. I'm sure His Holiness will be pleased. Your mission must be important, as is mine, to purify the world of darkness. Let us both work to the utmost of our abilities. Yes. Thank you very much. Thank you.
Bon, je vais me faire à manger. Je reprendrai le jeu.